Ami Maxime, pour mon petit-fils, merci. Je viendrai voir votre manège un jour. En attendant, il tourne dans ma tête. Je le chéris et le décore de tous les fruits de mon jardin. Merci, ami Maxime. Il fallait que l'enfant connaisse un monde en paix. Où que je regarde, je ne vois que les pins d'Alep. Je respire la brise qui les a caressés. Et j'aimerais ne plus bouger d'ici jusqu'à la fin des temps. À lire, à écrire, à rêvasser, suspendu entre les sommets arrondis et l'étendue marine. Thank you.
Je rêve vainement d'un pays comme les autres. Tu appuies sur l'interrupteur et clique. La lumière s'allume. Tu ouvres le robinet bleu, l'eau froide s'écoule. Tu ouvres le robinet rouge, c'est l'eau chaude. Tu soulèves le robinet et, prodige, tu entends une tonalité. Il est vrai que mes ancêtres ont vécu pendant des siècles sans poste, sans téléphone, sans eau courante, sans électricité, et que rien ne m'empêche, en théorie, de faire pareil. Sauf qu'ils n'avaient pas d'ascenseur, eux, et qu'ils n'habitaient pas, comme